الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو الأول من شهر رمضان المبارك أهله علينا وعليكم باليمن والبركة والإيمان والعمل الصالح والصحة والعافية لعام 42 و400 للهجرة الموافق للثالثة عشرة من شهر أبريل لعام 21 و2000. في هذا الشهر المبارك وقع اختيارنا على كتاب جليل لأحد أئمة الإسلام وهو أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الأجري رحمه الله تعالى، وكتابه هذا بعنوان أخلاق حملة القرآن، ويوجد كذلك بعنوان أخلاق أهل القرآن، ولا تناقض بين العنوانين. وهذا الكتاب سمعت قراءته على شيخ من شيوخنا اسمه ثواب ابن أحمد أبو بريك، قال أخبرني الشيخ المحدث المسند عبد الله بن صالح ابن محمد العبيد قراءة عليه وأنا أسمع عن الشيخ صالح المعمر محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قراءة عليه في الرياض عن محمد بن فارس عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن جده عن عبد الله بن إبراهيم الشمري الفرضي عن أبي المواهب الحنبلي عن النجم العزي الغزي عن أبيه البدر الغزي عن أبي الفتح الإسكندري عن عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسية عن أبي العباس الحجار عن جعفر بن علي الهمداني قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قراءة عليه وأنا أسمع في شهر ربيع الأول 70 و500، قال أخبرنا أبو بكر الطريثيثي فيما قرأت عليه غير مرة من أصل سماعه ببغداد، قال أخبرنا أبو الحسن الحماني قال أخبرنا الآجري بمكة في المسجد الحرام 40 و500. وأنا أرويه لكم، ومن شهد قراءته جاز له كذلك أن يرويه لغيره. وهذا الكتاب كما أسلفت جليل القدر لا سيما في مثل هذا الشهر لمن يبتغي الثواب والأجر في الإكثار من قراءة القرآن. وهذا الكتاب ذكر فيه مصنفه رحمه الله تعالى جملة من الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها قارئ القرآن، سواء يحمله بين جنبيه أو يقرأه من المصحف بعينيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وليجعله حجة لنا لا علينا. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette première journée du mois de Ramadan de l'an 1442. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce mois, que nous passions ce mois dans la bénédiction et dans son pardon et sa miséricorde, ainsi que dans l'augmentation de la foi et l'accomplissement des actions vertueuses. Comme chaque Ramadan, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on espère que ce soit un signe positif de passer les meilleurs moments de l'année dans l'occupation, dans l'adoration. Que ce soit à travers la prière ou la lecture du Coran, ou de passer du temps à la mosquée et d'y écouter de la science utile qui nous permettra d'accomplir des actions vertueuses. Chaque année, bifadlillah, on essaie de proposer un programme aux musulmans. Cette année, on a choisi un livre qui a été écrit par un des imams de notre communauté, qui s'appelle Abu Bakr ibn Muhammad ibn Hussein ibn Abdullah al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, qui s'intitule « L'éthique des porteurs du Coran ». Quel est le comportement que ceux qui portent le Coran en eux doivent adopter.
Et même si ce livre à la base il vise celui qui a appris le Coran et qui l'a dans sa poitrine, il concerne aussi toute personne qui va le lire, même s'il le lit en prenant le mushaf. Et vous savez que le mois de Ramadan est le mois du Coran. J'espère que tous ici présents, nous allons faire le plus d'efforts possible pour le lire le plus possible. Et de faire que le mois de Ramadan se distingue des autres mois de l'année. Pour celui qui le lisait une fois chaque mois, il essaiera de le lire deux fois. Celui qui le lisait trois fois, il essaiera de le lire deux fois, pardon, il essaiera de le lire trois fois, voilà. Et on verra ensemble que nos pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, donnaient au Coran toute son importance durant le mois de Ramadan, au point où il ne faisait rien d'autre. Mais vraiment rien d'autre. Ce livre-là, j'ai eu l'occasion d'assister à sa lecture plusieurs fois sur certains mashayikh, parmi eux, Cheikh Thawab al-Thawab, Abu Buraik, aussi Sami Anbar et Kadalika Cheikh Abdul Mohsin al-Qasim, Hafidahumullah. Et donc, je dispose d'une chaîne de narration jusqu'à l'auteur lui-même, Rahimahullah Ta'ala. Et toute personne parmi vous qui assisteront à la lecture du début du livre jusqu'à la fin, en direct, je précise, parce que les mashayikh aimaient ça comme condition. Parce qu'ils permettent à ce qu'on suive la lecture par internet. Par contre, il faut y assister en direct. Donc, si vous qui êtes là, la question ne se pose pas, mais par rapport aux personnes qui la suivraient sur internet, eh bien, à ce moment-là, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent y assister en direct. S'ils n'y assistent pas en direct, ils ne pourront pas voir la chaîne de narration. Donc on va essayer durant ce mois-ci, de tous les jours, enfin 5 fois par semaine. J'avais mis 6 fois, mais finalement, le jeudi et le vendredi, il n'y aura pas cours ici entre 4h30 à la Asr. Donc 5 fois par semaine, tous les jours, jusqu'à la fin du mois, nous allons lire ce livre-là ensemble et nous allons donc faire quelques commentaires sur certains passages du livre, en sachant que ce livre-là, c'est vraiment un électrochoc. Voilà, la première fois que je l'ai lu, il m'a fait vraiment quelque chose. L'auteur, il a une plume et il a une façon de s'exprimer qui est vraiment très très forte. C'était un wa'id, c'était vraiment quelqu'un qui savait exhorter et qui savait réveiller les cœurs. Ça, c'est quand on lit ces livres. J'imagine même pas si on l'avait en face de nous directement. Et parmi les lataïf, parmi les particularités de la chaîne de narration, c'est que le premier rapporteur qui prend le livre de l'auteur lui-même, il dit l'avoir lu à son auteur dans la mosquée sacrée de la Mecque pendant le mois de Ramadan. Dans la mosquée sacrée de la Mecque pendant le mois de Ramadan. Pour vous faire savoir que depuis toujours, les imams de notre communauté accordaient une importance spéciale à la lecture des livres sur leurs auteurs, ou à assister à la lecture des livres sur ceux qui ont assisté à celle-ci, à leurs auteurs, et ainsi de suite. Et subhanallah, les savants ils disent « Man kathura hifdhuhu qalla hafdhuhu min al-kalam » Celui qui a beaucoup appris des textes, il parle moins. C'est-à-dire il parle moins, les paroles qu'il attribue à lui-même, elles sont peu, parce qu'il se contente de répéter et de rapporter ce qu'il a entendu. Et al-riwaya, la narration, et al-sanad, la chaîne de narration, fait partie des particularités de notre communauté. Et depuis toujours, elle existe. Avant, quand tu voulais un livre, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas de photocopie, il n'y avait pas de librairie qui vendait les livres. Bon, si ça existait, mais ce n'était pas très l'usage de passer par là pour acheter des livres. Eh bien, si tu voulais un livre, tu allais chez celui qui l'a écrit, tu lui empruntais, tu le recopiais, et ainsi de suite. Il y avait même des gens qui ont développé une profession qui s'appelle al-Nussar. Nussar, c'était, si vous voulez, les photocopies humaines de l'époque. Il y a des gens, ils prenaient des livres, ils faisaient plusieurs copies, et ils les vendaient dans les marchés. Pourquoi nous dire que ce n'était pas trop l'usage? Parce que comme ce n'était pas forcément des étudiants, il y avait beaucoup d'erreurs dans ce genre de copie. Il y avait un cheikh, un imam dans le hadith, il était connu pour avoir une très mauvaise écriture, il écrivait mal.
ils sortaient au marché à la recherche des livres rares qu'on avait du mal à trouver. Et aussi, il avait un autre but, c'était de chercher quelqu'un qui écrivait plus mal que lui. Alors un jour, il va au marché, il trouve un livre et il voit que c'est vraiment mal écrit, il l'achète. Comme ça, si quelqu'un lui fait une remarque, il fait « Regarde, lui, il écrit plus mal que moi. » Quand il rentre chez lui, il prend le livre et commence à le feuilleter jusqu'à arriver à la fin. Et en fait, c'est un livre qu'il avait écrit lui-même quand il était plus jeune et qu'il avait oublié. À la kulli hal, il y a beaucoup d'anecdotes de ce genre-là. Et jusqu'à aujourd'hui encore, les mashaïkh, ils achètent beaucoup les livres. Et bien sûr, ils les lisent. Ils ne vont pas remplir avec les étagères de leur bibliothèque, comme nous on le fait. Pour l'anecdote encore, j'étais avec Cheikh Aïzam Sarhan, on était invité chez un frère. Et nous, chaque fois qu'on va chez les uns, chez les autres, la première des choses qu'on fait, c'est regarder sa bibliothèque. Pour voir s'il a des pépites. Pour voir s'il a... On a les mêmes livres. Pour voir. Oui. Et le Cheikh, lui, il ne regardait même pas les bibliothèques. Les gens. Ça m'a interpellé. À un moment, on s'assoit, je dis, Cheikh, ça ne t'intéresse pas les livres des autres? Il me dit, Haoula, yukthiru la hujjat Allahi alayhim. Et ceux-là, ils ne font que multiplier les arguments d'Allah contre eux. Ah, il m'a fait mal quand il dit ça. C'est vrai, combien de livres on a dans nos livres, dans nos bibliothèques, qui ne vont que prendre la poussière? Qu'Allah nous pardonne. En espérant qu'on ait le temps un jour de leur donner leur haq. Mais, al-sharaf bil-kutub amrun ma'ruf inda ahli al-ilm. L'amour des livres est une chose connue chez les gens de la science. Et cette parole qu'il a dit, Cheikh Sarhan, il a prise de certains salafs comme Oumou Salam, Aïcha et d'autres, à qui des gens posaient beaucoup de questions. Une fois, Aïcha, je ne sais plus si c'était un roi ou un autre, qui pose beaucoup de questions, elle lui dit Hal, kullu ma tas'alu anhu ta'malu bih? Est-ce que toutes les choses sur lesquelles tu poses des questions, tu les appliques? Là, le roi dit là, pas forcément. Alors elle lui dit, la tukthir hujaj Allah alayk. Ne multiplie pas les arguments d'Allah contre toi. Toi t'es là, tu prends, t'appliques pas. Le jour de la résurrection, Allah il va dire, tu savais pourquoi t'as pas œuvré. Laqad alimta fahal amilta. Donc, on étudie avec plusieurs intentions, plusieurs objectifs. Premièrement, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on doit le faire que pour lui. La nabtari bidalika ghayra wajhihi subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas. La numari bihi al-ulama wa la nujari bihi al-sufaha. On n'est pas là pour concurrencer les savants ni pour époustoufler les sots. Ce n'est pas le but. Ce qu'on espère, c'est obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, talabul ilm min a'zam alwasa'il litaqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala hatta ja'alahu ahlul ilm aw ba'dhum min a'zam an-nawafil wa ahsanha. Demander la science fait partie des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où certains savants ont dit que dans les actes qui ne sont pas obligatoires, c'est le meilleur. C'est le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les textes qui traitent des vertus de celui qui demande la science, ils sont nombreux. J'étais gourmand, je pensais que le livre, je me souvenais que le livre était un peu plus court, parce que nous, ce livre-là, on l'a lu en une jalsa. Bon, il n'est pas long, c'est un livre qui se lit rapidement, il fait à peine une centaine, quelques dizaines de pages. Et dans mon souvenir, il m'avait l'air court. Là, je me rends compte que finalement, il est un peu plus long que prévu. Mais si Allah il permet de le finir avant la fin du mois, on rajoutera dessus un autre livre du même auteur, qui s'appelle Fadlu Qiyam al-Layli wa al-Tahajjud. Donc un livre en rapport avec la vertu de prier la nuit et de veiller. Et si, faut être ambitieux. Bakr al-Bouzaïd, rahmatullah alayhi, dans Hilal al-Talib al-Ilm, il le met dans les caractéristiques de l'étudiant. An yakuna tamuhan. Il faut qu'il soit ambitieux. Et même si tu n'y arrives pas, l'intention, elle atteint des stades que les actions n'atteignent pas forcément. Si on n'a pas réussi, au moins on a une intention. Si on a un peu de temps, on fera al-rihla
في طلب العلم de Abu Bakr al-Khatib, al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. C'est un livre très court aussi dans lequel il y a beaucoup de fawaïd dans le fait d'étudier la science du hadith. طيب. Donc j'ai lu la chaîne de narration jusqu'à l'auteur lui-même. Naqra, on va lire, traduire, et quand il le faudra, on commentera. Bi'idhnillahi ta'ala, nasallahu ta'ala al-tawfiqa wa s-sadad. Qala rahimahullah ta'ala, أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. في هذه النسخة التي بين يدي الآية الأولى هي آية الإسراء، وفي نسخ أخرى عندكم آية الكهف، فنقرأهما كليهما أو كلتيهما. قال رحمه فنحن نحمده به، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. الأوتار ici رحمه الله تعالى commence comme chaque auteur son ouvrage avec la basmala, bismillah ar-rahman ar-rahim, et alhamdulillah, le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Les fa'ida, on entend beaucoup de gens quand ils font des discours oraux dire bismillah ar-rahman ar-rahim, alors que quand on regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate que la basmala était réservée à l'écriture. Lorsqu'il écrivait, il commençait l'écriture avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma al-Kalam, fakana yaftahuhu bi alhamdala. Quant au discours, il commençait avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il ne disait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bien entendu, il n'y a pas de mal à faire cela, de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lakin en sachant que, en termes de sunna, cela n'a pas été rapporté. Donc l'auteur nous dit que la meilleure des choses avec laquelle on peut introduire le sujet, c'est la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des louanges que l'on puisse attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qu'il s'est attribuée lui-même, subhanahu wa ta'ala. Comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, la nuhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Nous ne pouvons pas dénombrer les éloges qu'on t'attribue, tellement elles sont nombreuses, tu es tel que tu t'es loué toi-même. Et personne ne pourra louer Allah Ta'ala mieux qu'il ne s'est loué lui-même. C'est pour cela que l'auteur il a choisi comme formule de louange celle qu'on trouve dans le Coran. Avec les premiers versets de Sourate Al-Kahf, les premiers versets de Sourate Al-Isra, comment ça que Tasbih, Subhanalladhi, Taqdis, la sanctification. Puis les premiers versets sur la Saba, Alhamdulillah, alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, al-ayat. Donc il loue Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il lui demande de lui rajouter de sa grâce et de faire suivre sur lui ses bienfaits, et il le loue d'une louange de celui qui sait que c'est son protecteur et seigneur qui lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Comme Allah dit dans le Coran au prophète alayhi salatu wassalam. Puis après il finit cette introduction en priant sur le prophète alayhi salatu wassalam.
أما بعد فإني قائل وبالله أثق للتوفيق والصواب من القول والعمل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به وحرز من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Donc l'auteur il rentre dans le vif du sujet en évoquant certaines des fonctions du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a enseigné ce qu'il y avait de mieux à savoir concernant ce qu'il y a dans cette révélation, comme il lui a enseigné tous les bienfaits et toutes les vertus qui tournent autour de ce livre-là qui est le Coran. Comme Allah Ta'ala a enseigné à ses créatures dans son livre et dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam que le Coran est une protection pour celui qui le prend comme protection. Et une guidée pour que celui qui recherche la guidée. Et une source de richesse pour celui qui cherche à être à l'abri du besoin. Et une protection contre le feu de l'enfer pour celui qui suit ses prescriptions. Et une lumière pour celui qui en fait un moyen de s'illuminer. Et une guérison pour le mal qui réside dans les poitrines. Et une guidée et une miséricorde pour les croyants. ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه فيحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعتبر بأمثاله ويقول آمنا به كل من عند ربنا ويقول آمنا به كل من عند ربنا. Puis Allah تبارك وتعالى a ordonné à ses créatures de croire en celui et d'appliquer ce qui est clair dedans, de considérer licite ce qui est licite dedans et d'interdire ce qui est illicite dedans, de croire dans ce qui est équivoque dedans, donc celui dont le sens n'est pas clair pour tout le monde, et de prendre en considération les paraboles qui y sont données, les exemples qui y sont donnés, et de dire nous y croyons, tout provient de notre Seigneur. Donc là, l'auteur, il nous apprend que dans le Coran, déjà, c'est la masdar al-sharia. C'est la référence de base de notre législation. On y trouve le licite et l'illicite. Et ce qu'Allah a considéré licite doit être considéré comme tel. Et ce qu'Allah a considéré illicite doit être considéré comme tel. On n'a absolument pas le droit de rendre licite l'illicite et l'illicite licite. Considérer les choses licites et illicites font partie des particularités divines. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a ce statut. Et celui qui vient légiférer avec lui a voulu se mettre au même rang que lui. C'est pour cela que rendre licite illicite et l'illicite licite fait partie des actes qui annulent la foi. Il nous informe aussi que dans le Coran, on a du muhkam et du mutashabih. Al-muhkam, c'est le verset dont le sens est clair. Il n'a pas besoin d'interprétation. Hurrimat alaykum ummahatukum. Vos mères vous sont illicites au mariage. Personne n'est venu dire non, ce verset doit être compris différemment. Donc ce qui est clair doit être appliqué comme tel quel. Puis il y a du mutashabih. Ils disent équivoque, ambigu, c'est des termes que je n'apprécie pas particulièrement. Je préfère dire qu'ils ne sont pas clairs pour tout le monde. Parce que le mutashabih, cette ambiguïté, elle est relative. Elle n'est pas la même pour tout le monde. Il y a celui pour qui ce sera clair et celui pour qui ça ne le sera pas. Et dans l'éventualité où quelque chose ne sera pas clair pour la grande majorité des gens, eh bien ce n'est pas pour autant qu'on doit remettre en cause la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit accuser sa raison et rester sûr que c'est la parole d'Allah Ta'ala et qu'elle ne contient aucune contradiction ou incohérence.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si nous venons d'autre qu'Allah Ta'ala, ils y auraient trouvé beaucoup d'incohérences. Donc si ton esprit, ta raison ne comprend pas, tu dis « Amanna bihi kullu min indi rabbina ». Tout ce qu'il y a dans le Coran vient d'Allah, alors nous y croyons. ثم قال رحمه الله ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. في l'auteur nous dit, rahimahullah ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis pour ceux qui le lisent, le Coran, et le mettent en pratique. Il leur a promis de les sauver de l'enfer et de les faire entrer au paradis. En arabe, on emploie le mot tilawa pour la lecture du Coran. Et le mot tilawa, il vient du verbe tala yatlu, wa minhu qawluhu ta'ala, wal qamari idha talaha. Le ma'ana tabi'a. Le verbe tala en arabe, on l'emploie pour désigner la lecture du Coran et son origine provient du verbe tala yatlu qui veut dire suivre. Pourquoi est-ce qu'on a appelé la lecture du Coran tilawa en référence au suivi? C'est parce qu'elle doit être suivie par sa mise en pratique. Elle ne doit pas se concentrer dans les bouches. Elle doit provenir des cœurs, sortir par la bouche et se montrer à travers les membres dans leur application. Dans de nombreux textes, d'ailleurs on les verra inshallah ta'ala, le prophète met en garde les qurra, les lecteurs du Coran, qui se contentent de l'embellir avec leur langue sans le mettre en pratique. Qu'Allah nous préserve d'en faire partie. Puis, at-tilawa donc, ça veut dire mettre en pratique ce qu'on a lu. Celui qui lit, puis applique ce qu'il a lu, alors c'est lui qu'Allah sauvera de l'enfer et le fera rentrer au paradis. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé ses créatures, lorsqu'ils lisent le Coran, à le méditer profondément. Tadabbara. On avait déjà vu ensemble que tadabbara vient du mot dubur, qui veut dire derrière. C'est le fait de rechercher l'essence profonde qu'il y a derrière le caractère explicite. Le caractère explicite du terme, du sens, va te donner un sens, du mot, pardon, va te donner un sens connu, et d'aller chercher derrière ce sens principal d'autres sens plus profonds qui vont nous faire réfléchir beaucoup plus à ce que le verset contient comme sens et comme science. Donc de méditer profondément et de réfléchir avec leur cœur. Et lorsque ce ne sont pas eux qui lisent, mais qui écoutent, d'écouter de la meilleure façon. D'écouter de la meilleure façon. Celui qui écoute le Coran, celui qui lit le Coran, est comme celui qui le lit. Les fuqaha, dans Bab, Sujud al-Tilawa, dans le chapitre relatif à la prosternation qui suit la lecture du Coran, eh bien, ils disent que celui qui écoute le lecteur du Coran et qui se prosterne, ils doivent se prosterner eux aussi avec lui. Taïb. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala a promis pour celui qui lit le Coran avec méditation, réflexion profonde, d'énormes récompenses qu'il soit loué pour cela. Puis après, Allah tabaraka wa ta'ala a informé ses créatures que celui qui lit le Coran et qui veut à travers cette lecture-là faire commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le commerce, c'est un principe d'échange. Et cette expression-là, elle vient du Coran elle-même. Allah ta'ala dit: Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Ceux qui lisent le livre d'Allah et qui accomplissent la prière et qui s'acquittent de l'aumône publiquement et secrètement espèrent un commerce dans lequel il n'y a aucun déficit. C'est un commerce. Là, ici, on fait une transaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. On lit sa parole et il nous récompense. On applique ça pas ce qu'il nous demande de faire et il nous récompense. Alors que lui ne
ne tire aucun profit de notre lecture, aucun profit de notre obéissance. Si toutes les créatures étaient pieuses comme le plus pieux des hommes, ça n'aurait rien rajouté à son royaume. Et si toutes les créatures étaient toutes mauvaises comme la plus mauvaise des personnes, ça n'aurait rien enlevé à son royaume. Subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de nous. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Allah il est à l'abri du besoin et il est le digne de louange. Subhanahu wa ta'ala. Et si on lisait le Coran et qu'on lui obéissait et qu'il ne nous donnait rien en échange, il n'aurait pas été injuste. Tellement il nous comble de ses bienfaits jour et nuit, soir et matin. Donc, celui qui fait une transaction avec Allah tabaraka wa ta'ala à travers la lecture du Coran, eh bien, Allah lui fera gagner d'énormes bénéfices. Des bénéfices tels qu'aucun bénéfice ne peut lui être comparable. Et il lui fera reconnaître la bénédiction de ce commerce ici-bas et dans l'au-delà. قال محمد بن الحسين جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء وسأذكر منه ما حضر ذكره إن شاء الله والله الموفق لذلك. Je vais vous mettre en évidence d'où ça vient dans le Coran et dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et dans les paroles de ses compagnons radiallahu anhum ainsi que dans les paroles de tous les savants. Et j'évoquerai ce qui me vient à l'esprit dans ce livre-là, inshallah ta'ala. قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ici, c'est une série de versets qui montrent et qui mettent en évidence les différentes choses qu'il a évoquées dans l'introduction. Les premiers versets qu'il a évoqués sont ceux de Surat Fatir que je viens de citer précédemment, ceux qui lisent le Coran, ceux qui accomplissent la prière, ceux qui font l'aumône publiquement, secrètement, ils espèrent un commerce, un bénéfice dans lequel il n'y aura aucun déficit possible. لِيُوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ afin qu'Allah leur donne complètement leur récompense, des récompenses complètes. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ et il leur rajoute de sa grâce. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il ne va pas te récompenser partiellement pour ce que tu fais. Il va te donner une récompense complète. Et en fonction de ton intention, la récompense variera. La base, c'est qu'elle est au minimum multipliée par 10. Puis, elle peut être multipliée jusqu'à 700 fois. Et puis Allah Ta'ala, il peut même la multiplier encore plus que 700 fois. Et en plus de cela, donc il te récompense complètement, totalement, et il te rajoute. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ il te rajoute. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ il est certes pardonneur et reconnaissant. Shakur, on traduit par reconnaissant, ça peut vouloir dire aussi celui qui remercie celui qui a fait le bien. Et dans l'occurrence, ici, pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va rétribuer l'acteur, celui qui a accompli une action à travers la récompense. Bien entendu, la récompense qu'il donne est beaucoup plus importante que l'action accomplie. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jalla inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil-akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Allah ta'ala dit inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Qur'an guide vers la voie la plus droite. لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ et il annonce la bonne nouvelle aux croyants أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا qu'ils auront une récompense énorme وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ comme il annonce à ceux qui ne croient pas en au-delà أَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا qu'ils auront un châtiment douloureux. Donc le Coran يُبَشِّر Allah تبارك وتعالى dans le Coran il nous annonce des nouvelles. Des nouvelles tellement fortes, tellement lourdes, que l'effet de ces nouvelles sur nous est visible sur nos peaux. C'est pour ça que les Arabes appellent les fortes nouvelles
بشرى qu'elle soit bonne ou mauvaise en rapport avec البشرة التي هي جلد الإنسان en rapport avec la peau de l'être humain qu'on appelle البشرة d'ailleurs l'être humain en arabe on l'appelle البشر parce que sa peau elle est visible contrairement aux animaux dont la peau est recouverte par leur poil ou par leur plume. Donc là, c'est une nouvelle tellement forte et tellement importante qu'elle est visible sur la peau des gens qui la reçoivent. Que ce soit ceux qui ont cru, comme quoi Allah leur donnera une récompense énorme, et ou ceux qui n'ont pas cru, comme quoi ils auront un châtiment douloureux. Et ce qu'il faut retenir, entre autres, c'est que le Coran est le meilleur moyen de, en le suivant, de suivre la voie la plus droite, la voie la plus, comme ils disent, rectiligne. وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Les frères, avancez, barak Allah fikum. Laissez pas d'espace vide devant vous, sinon les gens ils vont voir les espaces, ils vont vouloir s'y installer. أنتم أحق بهذه الأماكن. C'est vous qui devez vous asseoir devant, c'est pas ceux qui arrivent à la fin. ما ينبغي هذا. Celui qui veut s'asseoir devant, il vient en premier. وجاء النهي عن تخطي الرقاب عند خطبة الخطيب يوم الجمعة وهذه الدروس تقوم مقام هذا النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit de nous enjamber les uns les autres pour aller devant pendant le discours du vendredi et ce genre de cours rentre dans le même principe et sauf si il y a une place vide et que personne ne veut s'y mettre. Donc si quelqu'un il enjambe les gens pour y aller, هذا معذور. على كل حال. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Ce verset, comme beaucoup de versets du Coran, il a un effet très fort dans la joie qu'il procure et la peur qu'il instaure. Allah dit nous faisons descendre dans ce Coran. Min huna laysat lit-tab'id wa inma hiya li bayan al-jins. Nous faisons descendre dans ce Coran, pardon, ce qui est une guérison pour les croyants. Qala al-'ilm shifa lid-da' al-ma'nawi wa lid-da' al-hissi. C'est une guérison pour les maux psychologiques abstraits et les maux concret, corporel, c'est une guérison. Vous avez vu, quand on va chez le médecin, puis il nous fait une ordonnance, puis on arrive à la pharmacie pour prendre les médicaments, et le pharmacien dit, je vais vous donner un générique. Mais c'est la même chose, hein, c'est la même molécule. Toi, dans ta tête, tu dis, non, moi je veux le vrai médicament. Subhanallah, on a en nous comme si le générique, il était moins efficace que le normal. Alors que techniquement, c'est la même molécule. Mais c'est comme ça. On préfère la qualité. Dans tout. Si on te dit que le meilleur des remèdes, c'est le Coran, eh bien, normalement, on devrait avoir le réflexe d'aller vers le Coran chaque fois qu'on est victime d'un mal. Que ce soit un mal psychique, psychologique ou physique. Mais malheureusement, soit il ne nous vient pas à l'esprit du tout. Soit quand il nous vient à l'esprit, c'est qu'on a tout déjà essayé. Ouais, j'ai été chez les médecins, j'ai fait des radios, des scanners, des IRM, j'ai pris des traitements, j'ai tout fait. Et là, je viens te voir pour que tu me fasses rocker. Fallait me dire en premier. Et ça montre malheureusement la valeur que donne le Coran. Celui qui donne de la valeur au Coran va le faire passer avant toute sorte de remèdes. On va se soigner avec les médicaments. Mais le meilleur, sans aucun doute, qui procure la guérison des poitrines, c'est le Coran. وَنُنَزِّلُ مَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et c'est en plus d'être une guérison, c'est aussi une miséricorde pour les croyants. Puis il finit en disant, c'est à ça la joie énorme qu'il procure ce verset. Puis il dit, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Mais ce Coran, il a un effet sur les croyants. Ils guérissent par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et de l'autre côté, il ne fait que rajouter aux injustes de la perte. Aslan, il est perdu en tant qu'injuste. Mais plus cet injuste-là, il sera confronté au Coran,
plus sa perte sera grande. Et là, on doit regarder quel est l'effet du Coran sur nous. Est-ce que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il guérit les maux qui polluent nos cœurs et nos poitrines, ou les maladies qui affaiblissent nos corps? Ou bien est-ce qu'à l'inverse, wal'iyadu billah, il ne fait que nous rajouter dans la perte? وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله تعالى الذي وفوا les gens, certes et assurément est venu de la part de votre Seigneur, vous est venu de la part de votre Seigneur une موعظة, une exhortation. تفضل أخي, une exhortation. الوعظ هو الكلام الذي وقعه يكون شديدا في النفوس. الكلام الذي الغرض منه أن يزداد الإيمان وأن يتشجع المرء على الازدياد بالعمل من العمل الصالح. تفضل. الموعظة en traduction en français par exhortation, c'est une parole forte dont l'impact laisse une trace importante sur celui qui la reçoit. Dans le hadith al-Irbad ibn Sariyah رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون كأنها موعظة مودع. العرباض بن سارية رضي الله عنه dans un hadith il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a fait une exhortation poignante, éloquente, qui a fait vibrer les cœurs et a fait couler les larmes, comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui voyage. Parce qu'avant, quand j'en partais, tu ne sais pas si tu allais les revoir. Alors, comme ils faisaient leurs adieux aux gens, ils leur faisaient en partant du principe où ils n'allaient plus jamais les revoir. Imagine-toi, quelqu'un que tu aimes beaucoup et que tu vas le voir pour la dernière fois. Quel conseil tu vas lui donner et de quelle façon tu vas lui donner? C'est comme ça que le prophète, il exhortait les gens, alayhi salatu wassalam. Et bien entendu, l'exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran est un niveau inégalable et incomparable. Est dans le Coran, est venu pour vous, ô vous les gens, dans le Coran, une exhortation de la part de votre Seigneur. Donc une exhortation de la part d'Allah Ta'ala à notre égard, pour faire vivre les cœurs, augmenter la foi, nous pousser, nous encourager à faire le bien, nous dissuader de faire le mal. Il y a aussi dans ce Coran, donc une guérison, shifa lima fi soudour, pour ce qu'il y a dans les poitrines. Qu'est-ce qu'il y a dans les poitrines? Le qulub. C'est avec le cœur que tu arriveras devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni progéniture ni fortune ne sera utile, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint, un cœur saint. Dans le Coran, Allah il parle du cœur saint. Et part du cœur malade. Les frères, posez pas vos livres par terre, barakallahu fikoum. Je vois beaucoup de gens qui posent leurs livres par terre. Talim al-Kutub. Respectez vos livres et respectez ceux qui nous ont écrits et respectez leur contenu. Et ne posez pas le livre par terre. Posez-le sur vos genoux ou là, mettez vos vestes et posez le livre dessus, mais ne posez pas même le sol, barakallahu fikoum. Une fois, Ishaq ibn Rahway, rahmatullah alayhi, il rentre chez Imam Ahmed avec des parchemins sur lesquels étaient écrites les paroles des Sahaba, radiallahu anhu. Il était fatigué, il avait marché toute la journée. Alors il est rentré et il a jeté ses parchemins sur le matelas qui lui faisait office de lit. Et même Ahmed, il a vu ça, il s'est énervé. Il a dit « Ahakada yuf'alu bi kalam al-salihin ou bi kalam al-abrar ?» C'est ça que tu fais avec la parole des pieux et des vertueux? Qu'est-ce qu'on doit dire alors si c'est la parole d'Allah ou du prophète alayhi salatu wassalam? Et sachez une chose, mes frères. « Alladhi yu'azzimu kalam Allah » وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام وكلام علماء هذه الأمة حري بأن يجعل الله تعالى العلم في قلبه فينتفع به. Celui qui donne de l'importance à la parole d'Allah عز وجل
et de son messager alayhi salatu wassalam, et des savants de notre communauté, eh bien lui Allah Ta'ala, il fera qu'il sera digne d'avoir la science dans son cœur et d'en tirer profit. Donc une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, shifa ou lima fi soudour, et le cœur il a besoin de guérison. وَتَجِزَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos formes, vos corps, mais il regarde, il ne regarde pas vos visages ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actes. C'est ça qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc le meilleur moyen de soigner son cœur, et les cœurs ils sont malades. كما نص الله تعالى يجد القرآن في قلوبهم مرض الذين في قلوبهم مرض كما يقول aussi de القاسيات قلوبهم ceux qui ont le cœur malade ou le cœur dur et ceux qui ont le cœur sain قلب سليم et le seul moyen d'avoir le cœur sain c'est avec le Coran et la parole du prophète عليه الصلاة والسلام وهدى ورحمة للمؤمنين et on trouve dans cette exhortation là dans le Coran on y trouve aussi la guidée et la miséricorde pour les croyants. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa shifaa'un qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubeena fa amma alladhina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Donc verset Allah Ta'ala dit aux gens, assurément est venu à vous de la part de votre Seigneur Burhan. Burhan, c'est une preuve. Une preuve de la part de votre Seigneur. Une preuve, irréfutable et flagrante. Burhan. Une preuve de la part de votre Seigneur. Wa anzalna ilaykum nuran mubina. Et nous avons fait descendre sur vous une lumière claire. Et parmi les noms du Coran, An-Nur. Quant à ceux qui ont cru en Allah et se sont cramponnés à lui ou au Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. L'i'tisam, c'est ça, se saisir fortement. Imagine-toi, t'as glissé et t'es en train de pendre dans le vide et tu t'es accroché à une corde. T'accrocher une corde. Toi, tu peux être sûr que tu vas t'y accrocher de toutes tes forces. Si tu lâches, tu tombes. Après, il y a deux choses. Il y a toi, à quelle force tu vas t'accrocher à la corde. Et la deuxième, c'est la corde. Comment elle est ? Celui qui est accroché à un lacet usé, en train de se déchirer, il peut s'accrocher fort comme il veut, il va tomber. Mais celui qui est accroché à un habl, une corde épaisse, solide, lui, il est en sécurité. Et qu'est-ce qu'il se dit ? Si moi je ne lâche pas, la corde ne lâchera pas. Donc c'est à toi de t'accrocher. Voilà, attends, c'est moi. Et regardez dans les textes du Coran et de la Sunna, les termes qui sont employés : Al-i'tisam, Al-tamassouk, Al-i'tidad, qui montrent tous de la force dans la façon de s'accrocher au Coran et à la Sunna. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين يمسكون اي يتمسكون qui s'accroche fermement واعتصموا بحبل الله cramponnez-vous et dans le hadith عضوا عليها بالنواجذ mordez la sunna avec vos molaires et dans l'autre hadith de Hudayfa رضي الله عنه le long hadith où à la fin lui dit si jamais à la fin des temps il y a pas de jamaa il y a pas d'imam et il y a l'égarement, et il y a les fitnes, attention, qu'est-ce que je fais ? Il a dit, éloigne-toi de tous ces groupes-là. Délaisse tous ces groupes, et va, reste seul, et va te cramponner, va mordre les racines des arbres pour ne pas partir avec eux. Jusqu'à ce que la mort t'atteigne et que tu restes ainsi. La force. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwa. Oh Yahya, prends le livre avec force.
يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذ ما آتيتك بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا القرآن. Prenez ce qu'on vous a donné avec force. Allah, il a dit à Bani Israël, et il a dit avant cela à Moussa, et il a dit après à Yahya, avec force. Pourquoi avec force, mes frères? Parce qu'on va tenter de nous l'enlever. Pour se sauver, de tomber, et pour ne pas qu'on réussisse à nous l'enlever. Il disait Salaf, Laysa al-ajabu fi man halaka kayfa halak. إنما العجب في من نجا كيف نجا. Ce qui est étonnant, ce n'est pas celui qui a péri. Comment il a péri? Les kathratihim, tellement ils sont nombreux ceux qui vont périr. Qu'Allah nous en préserve. Ce qui est étonnant, c'est celui qui est sauvé. Comment il a été sauvé? Comment il a réussi au milieu de tous ces gens-là qui périssent les uns après les autres autour de lui? L'autre il disait فَإِنْ كُنْتَ تَنْجُو فَإِنْ تَنْجُو مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ هْنَاجِيَا. Si jamais tu arrives à être sauvé, sache que tu seras sauvé de quelque chose d'énorme. Et si par contre tu n'arrives pas à te sauver, alors sache que tu ne le seras pas. Si tu ne fais pas les causes pour être sauvé, tu ne le sauras pas. N'attends pas que ça vienne du ciel sans rien faire. Imam Malik disait, rahimahullah ta'ala, tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha, inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas. Tu espères être sauvé sans prendre les chemins qui mènent au sauvetage, sache que le bateau ne vogue pas sur la terre ferme. Il vogue sur l'eau. Wa anzalna ilaykum nuran mubina fama alladhina amanu billahi wa i'tasamu bihi. Donc ceux qui ont cru en Allah se sont cramponnés fermement à sa parole, au Coran, à la Sunna, au Din, à l'Islam. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهِ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Il les fera rentrer dans une grâce de sa part. Et dans une miséricorde de sa part. Et une grâce, et il les guidera vers lui dans un chemin droit. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous fermement à la corde, au lien d'Allah, et ne vous dispersez pas. Si on s'accroche tous au Coran, correctement et convenablement, il n'y aura pas de dispersion et de division possible. Et ce verset nous fait comprendre que c'est en se cramponnant au Coran et à la Sunna que on sort de la division et de la dispersion. C'est pour ça que les salafs, il disait, rahmatullahi alayhi wa minhum Abdullah ibn Mas'ud, al-jama'a man wafaq al-haq wa in kana wahda. Wa in kana wahda. Le groupe, fadalakhi, c'est celui qui est en conformité avec la vérité, même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul. Parce que si les gens se dispersent, se divisent, c'est qu'ils ne se sont pas cramponnés fermement au Coran. Donc si on arrive à une époque où on est minorité à le faire, eh bien, ce n'est pas parce que tout le monde est en désaccord avec nous qu'on n'est pas dans le groupe. Ce n'est pas un principe de majorité. Ce n'est pas un principe de non. C'est un principe de conformité. Celui qui est accroché au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est cramponné et c'est lui qui est resté en groupe, même si les autres ont refusé de le faire et ainsi se sont divisés et dispersés. وقال عز وجل الله أن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أو من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل وما كان القرآن نزل أنزل. الله يجي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Croyez en Allah et en son messager et au livre
qu'il a nazal sur lui et au livre qu'il a fait descendre anzala min qabl. C'est quoi la différence? Nazala, c'est encore en cours de descente. Comme vous le savez, le Coran il a été révélé pendant 23 ans. Comme Allah dit, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et ceux qui ont mécru dire, pourquoi le Coran n'a pas été révélé, descendu sur lui en une seule fois? Allah y répond, il en est ainsi afin qu'on raffermisse ton cœur à chaque fois que tu en as besoin. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et on l'a fait descendre doucement, progressivement. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا. الترتيل تفضل. C'est le fait de lire doucement. Ça vient de famun ratil. Al famun ratil, c'est la dentition qui est droite, celle dans laquelle les dents ne se chevauchent pas ou ne sortent pas de leur axe. Quand quelqu'un il a une dentition de ce genre, on dit ذو فم راتل. C'est droit et ça se suit. Et al-tartil, la lecture, elle est droite et elle se suit et elle descend et elle se fait progressivement et elle se fait lentement. Allah nazzala ahsan al-hadith. Allah a fait descendre ahsan al-hadith, la meilleure des paroles. Ahsan al-hadith. Aucune comparaison possible avec les autres paroles. Allah a fait descendre la meilleure des paroles, le Coran, car c'est sa parole, subhanahu wa ta'ala. Kitaban mutashabihan mathani. Un livre mutashabih. Tout à l'heure, on a dit mutashabih dans les versets qui ne sont pas clairs pour tout le monde. Mais un tashabuh, il a deux sens, un sens général et un sens particulier. Le sens particulier, on l'a évoqué précédemment. Le sens général, il va devenir mutashabaha, qui veut dire se ressembler. Parce que le Coran, toutes ses parties, tous ses versets se ressemblent les uns les autres dans leur perfection, dans leur harmonie, dans leur beauté, dans le fait qu'ils viennent tous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand ici dit kitab al-mutashabihan, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Dans du fait que dans le Coran entièrement, il y a cette ressemblance qui nous fait savoir qu'il vient d'Allah azza wa jal et qui nous montre à quel point c'est la meilleure des paroles, et la plus belle des paroles, et la plus juste des paroles, et la plus sage des paroles. Il a akhirihi. Kitab al-mutashabihan mathani. Mathani qui se répète. Donc on a parlé de ressemblance dans le fond et mathani qui se ressemble dans la forme. Car des fois on trouve des versets qui se répètent exactement de la même façon ou des fois certains versets qui se répètent avec quelques différences. Comme dans mathalan al-mursalat وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Ou encore dans al-Rahman فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Ou dans al-Qamar وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Ou bien dans الشُعَرَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. بارك الله فيك إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Des versets qui se répètent tout au long de la sourate ou bien qu'on retrouve dans plusieurs passages du Coran. Mathani. D'ailleurs, on appelle la Fatiha al-Sab'u al-Mathani. Les sept versets qui se répètent, car on les répète à chaque fois que l'on fait la prière. مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Ça, ces versets sont pour nous comme des thermomètres avec lesquels on prend la température. Il dit que ces versets, que ce Coran, il fait frissonner la peau de ceux qui craignent leur Seigneur. Ceux qui craignent leur Seigneur avec science, yakhshawna rabbahum. Al-iqshi'rar, comme on dit en français, c'est avoir la chair de poule. Des fois, tu vas avoir quelque chose d'effrayant, ou de surprenant, ou d'émouvant, ou de triste. Et tu vas ressentir les effets de ces choses-là jusqu'à sur ta peau. Tu le sens, comme si la température interne, elle avait diminué, et que tu avais froid, mais à l'intérieur. Et puis quand tu regardes ta peau, ça ressemble au poulet après avoir été déplumé. La chair de poule. Al-iqshi'rar, c'est ça l'iqshi'rar. Yataqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Et frère, c'est le mois de Ramadan. C'est le mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes. Et les portes de l'enfer sont fermées. Dans lequel les diables les plus tenaces et les plus coriaces sont enchaînés dans le fond des océans.
Si on lit le Coran durant ce mois-ci et qu'on ne ressent rien, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'état d'un cœur sur lequel le Coran n'a aucun effet? Le Coran, il fait battre au cœur la chamade, et il fait frissonner et frémir les peaux, et il fait couler les larmes. Il y en a même qui écoutaient le Coran et qui s'évanouissaient, qui tombaient. Il y en a même qui sont morts, comme on va le voir après avec As'ad ibn Zurara, rahimahullah ta'ala, et d'autres comme le fils de Al-Fudal ibn Iyad qui s'appelait Ali, et d'autres encore, des gens qui sont morts en écoutant le Coran. Subhanallah. Regardez l'impact du Coran sur les cœurs vivants, les cœurs saints, et regardez de l'autre côté ceux à qui ça ne fait rien. Un Coran qui fait frissonner la peau de ceux qui craignent leur Seigneur. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Ensuite, si ce Coran les a fait frémir et frissonner jusqu'à ce que ce soit perceptible et visible dans leur peau, eh bien, c'est aussi le même Coran qui les rassure. C'est le même Coran qui les apaise. C'est le même Coran qui les soulage. Talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. C'est au rappel d'Allah, à l'évocation d'Allah, que leur peau se soulage, que leur peau s'adoucit, et bien entendu leur cœur. Wa talinu qulubuhum ila dhikrillah. Allah dit dans le Coran: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'adoucissent? ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. Voici la guidée d'Allah avec laquelle il guide qui il veut. ومن يضلل الله, et celui qu'Allah il égare, فما له من هاد, فما له من هاد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله, ونستأنف القراءة غدا ساعة أو مع الرابعة ونصف مساء بإذن الله تعالى, وهكذا كل يوم عدا يومي الجمعة الخميس والجمعة, عدا يومي الخميس والجمعة. Donc on s'arrête ici pour le moment. On reprend demain à 4h30, comme on l'a dit, tous les jours du samedi au mercredi. Il y aura une pause de 2 jours pour le cours, celui-là seulement, de Akhlaq Hamalat al-Qur'an, le jeudi et le vendredi. En fait, moi je serai dans une autre mosquée, donc je ne pouvais pas être partout en même temps. À ce moment-là, donc, je serai là-bas. Oui, Akhi. Ah, tu venais, vas-y. On fera Riyad Salihin comme on l'avait vu ensemble dans le programme. Donc, on se retrouve demain à 4h30 et tous les jours, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à la fin du mois. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala, as-sadada wa tawfiqa wa l'ikhlas wa l'qasda fi l'qawli wa l'amal. وأن يعلمنا علما نافعا يكون لنا حجة لا علي ولا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, والحمد لله رب العالمين, وبارك الله فيكم.